L'ancienne école du village, de 30 pieds par 40 pieds, a tout d'abord été édifiée en 1825 au nord-est du cimetière, avant d'être démantelée et reconstruite à l'endroit actuel en 1857 avec les mêmes matériaux, du moins en grande partie. Celle-ci a d'abord servi d'école pour les garçons de 1825 à 1857, avant de devenir mixte jusqu'en 1896. Cette année-là, la maison-école fut vendue aux enchères à la porte de l'église. Une nouvelle école fut construite sur la rue de l'Union, soit un emplacement plus rapproché de la masse des élèves du village. En 1906, un incendie ravagea la nouvelle école, de même que 21 maisons et leurs dépendances, au cœur même du village. Fut ensuite érigé un couvent à l'emplacement actuel de l'école Saint-Charles. Saint-Charles-sur-Richelieu a connu un grand nombre d'écoles sur son territoire. Dès 1812, une école pour filles a été érigée au sud de l'église. Entre autres, 4 écoles de rang ont été ouvertes entre 1888 et 1894 seulement.